Wow! Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous allons voir une chose étrangissime qui est arrivée. Ah! Un garde forestier va voir un prédateur et va se décider de se prendre en photo avec ce prédateur. Oh, c'est un vrai prédateur. Qui est-ce? Un gros python. Va le serpent. Il va se dire, ça c'est une bonne affaire. Comme il est gros, il est grand. On va le positionner sur le cou pour prendre en photo. Regardez, on va se prendre en photo. Et puis poster ça à nos amis. Écoutez, tournez-vous un peu. Hey! Le monde d'aujourd'hui, c'est tout de ouf. Mais nous n'en parlerons. Si nous ne vous avons pas montré ça, vous penserez même que c'est de la blague. Écoutez, suivez-nous. Allons voir ça au studio. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo. Nous sommes bien ici. Comme vous voyez, le nouvel Mikachu est là. N'oubliez pas, quand dessous cette vidéo, bon, on peut dire, dans la page d'accueil, nous sommes bien. Nous avons deux chaînes. Nous sommes bien, nous sommes trois. Abonnez-vous également à cette chaîne. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. C'est parti. Bien. J'espère que vous allez bien, mes frères et sœurs, que votre famille se porte à merveille. C'est même une preuve qui montre que la vie qu'on a, c'est même la grâce de Dieu. Si vous pensez que ce sont des histoires et qu'on vous raconte des histoires aujourd'hui, regardez même ça. Regardez ça. Ils sont prêts, ils sont là, ils sont chauds. Et ils se préparent à se prendre en photo avec le grand serpent. C'est la mode. On doit se prendre en photo n'importe comment et n'importe quand. Mais ça a failli mal tourner. Pourquoi nous allons tout voir ici? Soyez prêts. Qu'est-ce qu'on nous dit? Voyez ce qu'on nous dit. Lisez bien. Un garde forestier indien a failli être étranglé par un python pendant qu'il la posait pour des photos avec le serpent géant. Le serpent, il est géant. Et là, tu veux prendre des photos avec lui. Qui t'a dit qu'il aime les selfies? Qui t'a dit que c'est une star? Voici le tour de le problème. Regardez même ça. Une fois sur place, au lieu de placer le serpent en toute sécurité dans un sac, le garde forestier l'a enroulé autour de son cou. Et a posé pour des photos avec des villageois sidérés. On dit on met le serpent dans un sac, tu veux mettre le serpent sur ton cou. Et les mêmes chocons, venez voir, c'est moi le chocon, c'est moi la star, ah, le serpent sur mon cou. Quoi? Et puis je le sais ou quoi? Et voici ce qui va se passer. Puis l'on nous dit. Le serpent s'est enroulé autour de son cou, le forçant à se battre pour desserrer l'étreinte qui a commencé à l'étrangler. Quoi? Le serpent a même commencé à l'étrangler. Mais c'était un serpent, c'était un prédateur, on dit un serpent géant, un python énormissime. Mais vous me regardez sa taille. Un truc de ouf. Et toi, tu veux jouer avec lui? Qu'est-ce qu'on nous dit même dans la Bible? Est-ce que les serpents sont faits pour rigoler avec eux? Ah! Bon, on ne peut plus voir pour savoir plus. Regardez encore ici. On nous dit, il en est sorti indien, indemne, mais tout rouge. Il en est sorti. Indemne, mais tout rouge. Ça veut dire qu'il est chaud. Regardez même son visage. Il est joli en plus. Et tous les villageois sont jolis. En fait, ça peut nous arriver à nous tous qu'on voit tout pareil. On se dit que ce sont des exploits. Mais faut pas en abuser. Hein. Parce que si vous essayez de partager ça à vos amis, vous risquez vous-même d'avoir des problèmes. Mettez-vous en sécurité d'abord avant d'essayer
Il te met en sécurité d'autres personnes. Selon Dieu, la charité bien ordonnée commence par soi. Ah, c'est un truc de ouf. Ça, c'est quoi ça encore? Bon, regardez même ça. Ils sont même chauds. Et ils vont se prendre en photo. Et c'est la mode. Mes frères et sœurs, ne faites pas ça chez vous. Mes frères et sœurs, ne faites pas ça chez vous. C'est vrai. Vous avez beaucoup d'amis, vous avez des milliers d'amis, des millions d'amis partout dans le monde. Vous êtes une star. Vous voulez que tout ce que vous faites soit observé par les gens et liké. Oh, on va liker. Mais un serpent, c'est même un serpent. Un serpent, c'est pas un chien. Un serpent, c'est pas non plus un chat. C'est un gros serpent même qui est là. Faut faire attention. Ceux qui aiment le serpent, même qui sont en train d'élever les serpents. Faites attention, faites attention. Par exemple, le serpent grandit et qu'il voit même qu'il est plus lourd que vous. Qu'est-ce qu'il va même faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre 3 jours de jeûne. Tu lui voulais de la manger, il dit non, non, je ne mange pas. Vous dites, mais non, merci, aujourd'hui, ils sont jeunes. Que Dieu exauce mes prières. Ne sais pas en train de prier. En fait, c'est vous, ils cherchent à manger, ils cherchent à vous dévorer maintenant. Ce sont de faux amis, les serpents. Faites attention, hein. Faites attention. Même le chat, il est mieux. On a vu sur Internet ici un chat qui a sauvé un bébé qui se faisait agresser par un chien. Un truc de ouf, un truc de ouf. Tout simplement pour vous dire, mes frères et sœurs, c'est vrai, on veut impressionner tout le monde. Mais il faut faire, il faut mettre attention, il faut être vraiment prudent dans la vie. Regardez même ce qui se passe aujourd'hui. Les gens prennent les caméras, et il faut se positionner sur les gratte-ciel, les immeubles, ils sont en haut là-bas. Ils se mettent au bout de. Regardez, c'est comme ici, là. Regardez. Jean, c'est l'immeuble qu'elle a lu, il se positionne juste là, ici. Et puis il se filme et dit, oh, regardez-moi, je suis joli. Est-ce que vous pouvez faire ça? C'est seul au monde à faire ça. Mais et si tu tombes? C'est fini. On ne meurt pas pour revenir. Mes frères et sœurs, si vous faites cette vidéo, c'est pour vous dire aussi que c'est vrai. D'ailleurs, c'était de faire la fête. Vous-même, vous êtes même chaud, vous-même, vous êtes même prêt. Il ne faudrait pas que dans la fête où tout le monde se réjouit, là, les gens se mettent à faire tout et n'importe quoi. Ah. Même le jeu de fête, le diable veut aussi s'amuser. Il veut fêter même avec vous. Or lui, pour que la fête réussisse, il faut qu'il y ait mort d'homme. Faites attention cette fois-ci. L'air est classé. Faites attention. Soyez juste prudent. Priez, demandez à Dieu de vous guider. Dites-moi, Seigneur Jésus-Christ, guide-moi tous les jours de ma vie. Dieu va même faire des choses extraordinaires. La vie que vous avez là, c'est plus grand même que tout ce que je suis sur terre. La santé qu'on a, c'est plus que de l'argent. J'ai même pas envie de vous expliquer pourquoi même on entre dans les détails. Tout le monde ici, c'est au point. Ceux qui sont morts, étant même milliardaires, ces gens-là seraient prêts à donner toute leur fortune pour revenir sur la terre. Mais ce n'est plus possible. Quand on commet une erreur, qu'est-ce qu'on dit? Oh! Si je savais, oh! Si je savais, si je savais. Mais le reste, c'est l'erreur. Quand tu commets de telles bêtises, nous tous, on te regarde. Et on se dit, ah, donc c'est comme ça que ça marche. On ne savait pas que quand on met le doigt de le feu, ça brûlait. Comme tu as essayé, nous tous on l'a vu, on va même faire attention. Maintenant, la cette vidéo que j'ai bénie, c'est vrai ça. Prenez soin de vous et surtout dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous aimez les serpents? Tout ça. Moi, j'aime tout le monde. C'est pas qu'il y a peur des serpents, hein. Mais à cause de ce qui s'est passé dans la Bible, je dis,
ne pas avoir un animal de compagnie, un reptile. Qui que tu sois, même si tu es gentil, même si tu es joli, je n'ai rien contre toi. Mais, merci beaucoup. Même avoir un chat, c'est un problème. Et puis tu vas nous emmener encore des soucis comme ça. Bon, laissons la faire va nous laisser. Retenez l'essentiel et préparez-vous blanchir. Ça va être extraordinaire. Les gens qui sont s'amuser à ce moment. Amusez-vous à prudence. Hein. Prenez soin de vous et prenez soin de votre famille. Et bonne journée à tous et à toutes. Merci pas. Prenez soin de vous.